Salut à tous, alors pour varier un petit peu, je vous présente un jeu auquel j'ai pas mal joué qui s'appelle Neverwinter. On le voit en haut à gauche, je suis level 60, c'est pour ça que j'ai arrêté. Je joue très rarement au MMORPG, mais celui-là il est facile à jouer, il est très bien fait esthétiquement, il est sympa. Il demande pas un gros PC. Donc voilà, je ne vais pas vous le décryptez comme ça de A à Z, hein. Je pense que le jeu est assez parlant. Je vais donc attaquer quelques méchants, hein, et vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Donc on a un cheval, hein, comme Minecraft, en beaucoup mieux. Donc je vais descendre du cheval d'ailleurs. Hop. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne des attaques. Alors je vais faire une grosse attaque. Alors je vois pas grand-chose sur mon PC. Voilà, c'est ici. Donc là je cible par exemple, hop. Voilà, je sais pas, ensuite vous voyez, on peut immobiliser les joueurs. Lancer une grosse boule, éjecter, hop, comme ça, paf. Ensuite, voilà, créer une onde de choc. On a un compagnon, oui, parce que vous pouvez avoir un compagnon. Alors après, c'est un free to play, donc vous pouvez en acheter, hein, des compagnons, mais sinon on peut en obtenir gratuitement. Comme on le voit, le mien se bat pour moi. Voilà. Donc, oui, on peut ressusciter les joueurs. Donc là, je vais ressusciter mon compagnon. Très utile le compagnon, hein, face à certains boss. Ok, donc ça. Je sais pas. Voilà, donc je sais plus ce que je disais, enfin peu importe. Le jeu est assez addictif, on évolue assez vite. Il y a plein de gens avec qui vous pouvez faire le jeu en collaboration. C'est un jeu super. Voilà. Pour quelque chose de gratuit, c'est vachement réussi. Voilà, donc je vous le conseille. Donc, eh bien, c'est tout. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!